So we are back for the workshop, for the last workshop. We had six great presentations this afternoon, and now we give you the speech to interact, to react, to comment, to ask questions, and to dig deeper about the presentation we had this afternoon. So feel free to ask any question, to raise your hand in Zoom to ask question. And in Slack, if you want to write down your question, and then we can keep them for later. So yeah, I really interact, react, share. We really want you can challenge as well the presentation that we had. So I think Alexia had some questions before, so I give you the. I'll let you ask your question that you wrote in Slack, and we didn't give you the time to ask, so we can begin with your question. Une question pour Brigitte, la présentation de Brigitte, mais elle m'a répondu après sur le Slack. Donc c'était pour au sujet en fait des arbres qui étaient utilisés. Donc j'ai vu que c'était ce que tu avais répondu, que c'était du cactus et un autre l'antarius. Antarius. Donc après, je me demandais justement si il y avait des artistes qui travaillaient aussi bien sur la sensibilisation à justement la déforestation ou par rapport à ces arbres, enfin, sans les utiliser seulement pour produire quelque chose de vendable, mais peut-être de questionner aussi l'utilisation de ces arbres. Et, donc voilà, c'était un peu la question. Allez. C'est un peu la question que je me posais. J'allume ma vidéo. C'est la question que je me posais. Donc, c'est pas Brigitte, si tu es là. Je vois pas. Allô, Alexia. Allô? Oui, tu peux recommencer ta question. Oui. Ouais. Oui. Donc, je me posais la question, en fait, justement, si tu avais, par exemple, des noms d'artistes, enfin, des personnes qui vont travailler avec cette matière, enfin, cet arbre. Et qui, à travers l'utilisation de cet arbre, vont questionner aussi les problématiques qui entourent justement l'usage de ce matériau. Et on va dire pas seulement dans la fabrication d'objets, on va dire pour être vendus, mais plutôt pour sensibiliser à une pensée, enfin de réfléchir en fait là-dessus. Okay, merci infiniment pour ta question. Comme j'étais répondu dans le Slack, en fait, ma zone de recherche, c'est le Cameroun méridional. Cela veut dire que j'ai répertorié tous les artistes qui travaillent avec cette matière, la lobo. Et j'ai également répertorié les techniques de chacun des artistes. Et la question de genre aussi est soulevée parce que j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup de femmes qui font dans cette technique également. Et ça m'a beaucoup encouragée parce que je me suis fait initier à la fabrication des tableaux par la technique du collage, mais également à comment obtenir l'écorce battue dans le processus d'obtention de l'écorce battue en zone écant. Et pour ce qui est d'autres techniques, par rapport à l'art, architecture et garder les formes des essences. En fait, il faut noter que ces essences ont des caractéristiques. Et là, c'est dans l'histoire, je remonte un peu l'histoire de ce tissu dans la société et quand. L'arbre à ban qui veut dire élégance et qui sert également à l'obtention de ce tissu conférait aux initiés du rituel sceau. Le rituel sceau, c'était un peu un rituel d'initiation où on circonciait les jeunes garçons. Ce qui fait qu'au sortir de ce rituel, on leur mettait des pagnes ou des caissex en écorce d'aban, en écorce battue tirée de l'arbre aban. Et aban, en langue, quand veut dire rigidité, virilité. Dans cette essence, ces écorces-là, au contact du sexe circoncis, leur conféraient la rigidité et la virilité.
Et à l'heure actuelle, on se rend compte que les artistes qui utilisent les arbres dans les constructions ou alors dans la création artistique ne conservent pas la forme des arbres. On les modifie, soit pour l'ossature des maisons, des édifices à construire, soit on sculpte les portes et les fenêtres pour embellir les édifices et les maisons des particuliers, parce que l'architecture et la sculpture sont très chères chez nous, surtout lorsqu'on utilise le bois et qu'on le sculpte. Et d'autre part, l'idée que tu as émise, l'analogie entre art, architecture et forme, m'a beaucoup intéressée. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et ici au Cameroun, nous avons un artiste qui fait dans la pictosculpture. C'est Jean-Michel Dissaké. Et je crois qu'il a été en exposition pendant 6 mois aux États-Unis. Lui, en fait, il conserve les formes des arbres et les formes des lianes. Et il les associe aux matériaux de récupération. En fait, il fait une sorte de recyclage autrement de sa sculpture. Et il édifie sur l'impact environnemental lorsqu'on détruit les essences. C'est un peu ça le but de sa pictosculpture. Et en dehors de lui, je ne vois pas un autre artiste ici au Cameroun utiliser cette technique-là pour essayer de sensibiliser vis-à-vis de l'environnement et de l'impact qu'a la destruction de l'environnement sur le commun des vivants. Et est-ce que sur le slide, tu pourrais mettre le nom de l'artiste sur le slide? Oui, je crois avoir mis le nom de l'artiste et il a tout un site. Je crois qu'il est aussi répertorié dans Google. Dans le Slack, j'ai mis son nom. Je vais aussi le mettre dans le chat du Zoom là, okay. Tout à l'heure. Ouais. Oui, oui, je suis en train de le mettre. Jean-Michel Dissaké. Ok, j'avais une question pour Madame Mundigi. Si c'est possible. Oui, allez-y. Ok, alors voilà, donc ici aussi de l'Afrique centrale, donc je me pose un peu une question tout simplement. Le baume à l'époque était considéré, en fait on faisait des maisons avec, on s'habillait avec, et qu'est-ce qui peut être à l'origine en fait de la disparition donc, de cet usage-là, parce que aujourd'hui, effectivement, c'est bien. Il y a des artistes qui veulent remettre ça au bout du jour. Mais qu'est-ce qui peut pousser, en fait, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce que vous êtes dans la recherche, qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de cette disparition? Et pourquoi aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un phénomène de mode? Ouais, on parle de recycler, on parle d'environnement, on parle de ceci, alors que il y a bien longtemps, il y avait déjà des maisons en obum, les gens s'habillaient en obum. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, on revient à ça alors qu'il y a quelque temps, on l'a banni? Merci. Ok. Merci beaucoup, Bengono, pour cette question. En fait, comme je l'ai dit très tôt, que pour comprendre l'obum, il faut remonter à l'histoire de l'ancienne société Ekan. Et l'obum, ce patrimoine culturel entrait dans les habitudes de consommation de ces populations-là. Et il faut le préciser, le contact avec les puissances coloniales et les puissances impérialistes a fait en sorte qu'il y ait une sorte d'effacement dans les us et coutumes en Afrique. Et le Cameroun n'a pas dérogé à cela. On sait bien que dès les années 1840, il y a eu les premiers contacts avec les missionnaires. Et bien après cela, le Cameroun est passé sous mandat allemand en 1884. Et après le mandat allemand, il est passé sous condominium franco-anglais et après sous statut de la SDN. Alors, on se rend compte qu'un nouvel ordre dans la société camerounaise et notamment chez les Ekans a vu le jour. Et par ce nouvel ordre, nos us et coutumes ont été délaissés au profit de ce que le colon nous présentait. Il y a eu un lessivage profond partout en Afrique. Et actuellement,
on se rend compte que le recours et le retour aux sources sont prioritaires. Quel est ce peuple qui va aller de l'avant sans connaître sa culture? Quel est ce peuple qui ira de l'avant sans vanter ses savoirs endogéniques? Et le monde étant devenu un village planétaire, qu'est-ce que nous, Africains, qu'est-ce que nous et quand nous allons présenter aux autres si ce n'est notre culture? On se rend donc compte que actuellement, il y a cette crise de conscience-là qui a conduit les populations au Cameroun à une prise de conscience. Et par cette prise de conscience, les populations écans veulent rentrer à leurs anciennes habitudes. Mais sachant que le monde ayant évolué, on ne peut plus arborer le boom sous forme de cactus ou de pagne et se balader en pleine nature, à moins que ce ne soit une performance dans laquelle on veut éduquer les populations, on veut éduquer les autres sur ce qu'a été ce textile traditionnel dans les habitudes de consommation des aïeux. Et actuellement, donc, nous allons voir, il y a une sorte de résurgence, et c'est ça que le cultural study, autre chemin de Raymond Williams, remet à jour. On montre que dans la société actuelle, les cultures émergentes, les cultures dominantes et les cultures résurgentes ont une interaction. Et la culture résiduelle, en fait, c'est cette tension fond culturelle-là que je nomme Ubom, que je nomme textile traditionnel chez les Écans, qui ressurgit plus de 60 ans après les indépendances du Cameroun. On voit là une réappropriation de notre identité, un certain refus de la gentilité coloniale sur nos habitudes vestimentaires. J'espère que ma réponse vous satisfait. Merci. Je crois que Alimou souhaite intervenir également. Oui, je souhaite un peu toucher, parce que la question du textile est posée. Et lors de l'intervention de Brigitte, elle a touché également les questions du développement durable, les questions de la lutte contre la pauvreté. Et partout en Afrique, nous savons qu'il y a dans chaque pays africain, en tout cas les pays au sud du Sahara, il y a ce genre de textiles. Au Sénégal, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Congo, Brazza, et ensuite jusqu'en Afrique du Sud, dans chaque pays, il y a ce genre de textiles. Et puisque ma collègue, elle, sa thèse porte principalement sur ce textile au Cameroun, ma question serait de savoir est-ce qu'elle a abordé ou est-ce qu'il y a une possibilité de sorte que la commercialisation de ces textiles, puisque ça sort maintenant dans le contexte de la mondialisation, ça sort maintenant un peu plus du contexte de culture, parce que on voit que les Amazon, on voit que les Google et autres qui s'approprient parfois de ces cultures et le rendent commercial. Et j'aimerais savoir si sur le plan commercial, il y a une astuce ou un moyen pour que la commercialisation de ces textiles puisse lutter contre la pauvreté dans ces régions. Je ne sais pas si ma question est comprise par la destinatrice. Donc, c'était ça ma question, en fait. Merci, Alim, pour cette question. Je comprends ta question. Notons aussi que si on parvient à industrialiser, si on industrialise l'écorce battue, cela implique l'utilisation de beaucoup d'essences forestières. Et vous avez vu dans les solutions que j'ai essayé de débaucher, j'ai proposé la délimitation des abattages et j'ai aussi proposé la création d'un habitat dans lequel il y aurait des implants spécifiques à fabriquer les essences qui sont habilitées à donner l'écorce battue au Cameroun. Maintenant, notons que le baume, c'est un tissu traditionnel propre aux habitudes de consommation et c'est un patrimoine camerounais aussi. Et qui dit patrimoine, dit qu'il faut la sauvegarde de ce patrimoine. Et j'ai aussi relevé que les chefs traditionnels de la région du Sud Cameroun l'ont réhabilité en tenue d'apparat. Et nous nous rendons donc compte que le baume,
dans ce canal devient donc un vêtement élitiste. Donc, ce n'est pas tout le monde qui arbore ce vêtement. Même en Ouganda, c'est les rois qui arborent ce vêtement. Ce qui fait en sorte qu'au Cameroun, nous avons un autre tissu un peu similaire, mais là, c'est le ndop, c'est le tissu de l'Ouest Cameroun. Alors, pour pallier à cela, le gouvernement camerounais a mis sur pied le ndop made in Sikam. Sikam, un peu, c'est une structure qui fait dans l'industrialisation des tissus au Cameroun. Donc, on a donc trouvé un palliatif en mettant sur pied une sorte de copie, entre guillemets, d'une dope traditionnelle, mais maintenant, tout le monde peut avoir facilement ce tissu. Maintenant, n'oublions pas que le boom, c'est les essences forestières. Or, le dope, c'est à partir du coton. Maintenant, il faudrait que les industries vestimentaires puissent trouver également une astuce, un palliatif pour proposer, pourquoi pas, un tissu qui est l'équivalent de l'obum. Et là, les essences forestières seront protégées. Ça, c'est ma petite idée sur la question, mais je vais essayer de la développer par rapport à mon terrain et à mes recherches. Do we have other intervention, question, remark or comment from in English or from the English speaker? If we don't have any more questions or remarks, then we will move on to the conclusion by Antoine.